Bonjour les copains, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve pour le vlog numéro 2 de la journée numéro 3. Non, pour le vlog 3 en fait. Bref, troisième jour de calendrier de l'Avent, on est samedi, le lendemain du vlog que vous avez vu hier. Il y a un peu de vent, j'espère que vous allez m'entendre. On s'est réveillé après avoir un peu fait la fête hein, quand même. On a un petit peu fait la... Je crois qu'on a un peu fait la fête. On n'est pas du tout réveillé, hein. C'est un mensonge. Oh là là, c'est une honte, c'est une calomnie. Elle vous ment, nous dormons encore. Non, ouais, j'avoue, je dors un peu debout. Vous allez vraiment découvrir une autre personnalité de ma personne. C'est chaud. Aujourd'hui, on est samedi. Qui dit samedi et qui dit... Ah, attendez, faut que je vous montre parce que c'est waouh, waouh. Le dernier jour de novembre, c'est incroyable ce qui se passe. Le ciel est bleu, donc du coup, aujourd'hui, comme le ciel est bleu, comme il fait beau, comme il fait pas trop froid, et ben il y a la petite Lélouille qui va venir monter petit Sangoku. Donc à 14h, elle a du coup, on va aller faire une balade, je pense, tranquillou, parce que ça fait un moment qu'elle l'a pas monté, du coup. Voilà. Et ensuite, ensuite, je vais aller promener. Je pense que je vais prendre Soleil avec pour aller sortir Sango. Et puis après, la journée va suivre son cours. Moi, je vais continuer de faire du montage et ce soir on fête l'anniversaire du loustique qui est là-bas, Julie, ma meilleure amie, au restaurant à Fontainebleau. J'allais dire, pour ceux qui connaissent, venez nous voir, mais bon, ce sera il y a déjà plus de 3 jours au moment où vous allez regarder la vidéo, donc ça ne sert à rien. Bref, voilà, je vous emmène avec nous pour cette nouvelle journée. C'est parti. Je suis en train de m'habiller parce qu'il y a la petite Lélé, elle va arriver à la maison. Je mets mes merveilleuses petites chaussettes de poney. Oh, attendez, d'ailleurs, faut que je vous parle de ce pantalon que j'ai sur moi. Attendez, j'enfile ma chaussette. Je mets la chaussette sur le petit pied, comme ça. Ensuite, on met... Vous voulez un tuto chaussette? Voilà comment mettre une paire de chaussettes de poney. On met sa chaussette et ensuite, on met par-dessus le pantalon. Pas par-dessous. Qui met sa chaussette de poney par-dessous son pantalon? C'est un truc que je comprendrai jamais. Bref. Et le pantalon dont je voulais vous parler, c'est celui-ci hein, de chez Shoeriders. Voilà, bref, c'est leur nouveau pantalon. Il est incroyable. Je l'aime trop. Là, il y a la petite poche en plus pour le téléphone portable. Très pratique. On adore, on adhère, on valide. Bon, allez, hop, Lélé, elle va arriver. Elle s'habille et elle arrive. Il y a 5 minutes. Sachant que son corps est tout petit... Elle va arriver dans 30 secondes. Allez, c'est y part. Trouver mon petit monstre. Monte tes belles boucles d'oreilles. Regardez, elles sont trop belles. J'adore. Et tire. Jamais oui. Allez fort, un coup sec. Encore. Mais non, je peux pas. Ah, c'est vrai que c'était un peu dur. Sango, j'ai une surprise pour toi. Sango, sors ta tête du foin. Regarde qui je t'ai ramené. Franchement, j'en peux plus. Il est sérieux? J'ai passé je sais pas combien de temps à le brosser. Il est à peu près propre. Je sais pas, il veut essayer de se rerouler encore. C'est vraiment une trouille ce poney. Celui-là, je pense que dans une ancienne vie, t'étais un cochon. C'est pas possible. J'en peux plus. Oh.
voulez, monsieur. Attendez, attendez, j'ai qu'une seule main pour deux. Devoir nettoyer un petit cochon. Oui, c'est de toi que je parle. Du coup, c'est bon, j'ai remis le pyjama. Il y en a marre, c'est juste une impaire, hein, y a rien de toute façon, mais... Au revoir, à bientôt. Je suis désolée, je vous ai oublié. Je vous ai pas emmené avec moi à l'anniversaire de Julie. Enfin, de toute façon, c'était pas très intéressant, c'était avec mes potes et tout. Mais voilà, du coup c'est la fin de ce vlog, moi je vais aller dormir, il est pas encore trop tard, il est 23h et quelques, et on est samedi soir du coup, et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, et ça va me faire du bien. Demain c'est la première vidéo du calendrier de l'Avent qui sort, je suis un peu stressée, j'espère que ça va aller, j'espère surtout que je vais tenir vraiment ces 25 jours. Qu'est-ce que ça me ferait chier de pas y arriver quand même. Genre, je sais pas, c'est, en plus c'est vraiment un défi de moi avec moi quoi. C'est ma fierté personnelle qui est en jeu là. Mais bon, on va y arriver. Donc pour cette raison, il faut prendre des forces. Et pour prendre des forces, la meilleure solution c'est de dormir. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Gros bisous. Ciao. Mouah.